Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo copilote consacrée à Blender. Je m'appelle Thierry et je serai votre guide pendant quelques dizaines de minutes durant lesquelles nous allons réaliser cet exercice dans Blender Cycles, la mouture 2.61 de notre logiciel de 3D préféré. Je profite de cette introduction pour faire un petit clin d'œil à Patrick qui, sur son blog, poste une quantité de rendus cycles ahurissantes et qui s'en donne à cœur joie et qui a vraiment fait des rendus très sympathiques. Un petit clin d'œil à tous les utilisateurs. Merci, merci infiniment pour tous les gentils messages que vous me laissez et pour les rendus que certains m'ont postés. Un petit clin d'œil à Spiker qui nous laisse des messages très utiles et très pertinents dans les commentaires. On va démarrer ce tutoriel par une petite observation d'une image de référence que j'ai sélectionnée au gré du vent dans Google Images. C'est le modèle de référence que j'ai envie de modéliser. Donc l'idée, c'est toujours d'en conserver les proportions et pas de décalquer au pixel près le package que nous avons sous les yeux. Je trouvais cette image intéressante puisque si on se pose la question, et ça c'est un exercice toujours intéressant pour devenir un meilleur artiste, c'est comment est-ce que cette image a été réalisée? Est-ce que c'est de la 3D? Est-ce que c'est de la photo et du Photoshop à gogo derrière? Comment est-ce qu'on est venu poser ces reflets spéculaires? Comment est-ce qu'on a donné cette intensité de lumière en arrière-plan? On a l'ombre des palmes qui est projetée et l'ombre de la bouteille avec des rayons lumineux qui sont réfractés ici qui donne quelque chose d'assez sympathique. Il y a quelque chose aussi de surréaliste dans cette image, hein. On voit bien que c'est une vue plus d'artiste que un vrai montage photographique, mais en tout cas elle est très séduisante et on peut s'en inspirer. Dans notre cas, le but ce sera pas de la reproduire exactement, mais juste d'utiliser les contours de ce flacon pour réaliser notre modèle. Vous l'aurez deviné, nous aurons une partie modélisation qui se fera dans la vue 3D avec un éclairage, un cycles-like, une caméra et de la profondeur de champ. Cycle qui nous permet d'avoir une vue directement en mode rendu de notre scène. Donc la grande révolution dont tout le monde parle et dont tout le monde jubile, c'est qu'évidemment on peut venir à gogo, venir s'orienter sur notre scène et apprécier sous différents angles notre scène. Pourquoi pas, après coup, tiens, je pourrais placer la caméra ici, je trouve qu'on est pas mal. Je pourrais modifier des intensités lumineuses, je pourrais avoir d'autres reflets spéculaires. Donc, l'accélération GPU qui nous permet de faire des passes à une vitesse grand V. Je vous renvoie à l'article Êtes-vous CUDA capable sur le Copilot blog pour en savoir plus. Mais en tout cas, un Blender Cycle qui n'en finit pas de nous faire rêver. On terminera ce tutoriel, donc après modélisation, matériaux, discussion sur les matériaux cycles, profondeur de champ avec la caméra, node compositing avec les matériaux, vous verrez que cette fois on n'y coupera pas, hein. Le node compositing des matériaux d'ailleurs. Si j'avais un élément sélectionné ici, ce serait mieux. On va pouvoir quoi? Sélectionner notre package. Vous voyez que le node compositing des matériaux, si on prend le pack body, peut être un petit peu effrayant pour nous les débutants, mais on n'y coupera pas. Hein. L'utilisation du node compositing pour mixer différents matériaux existait déjà et existe toujours avec le Blender internal, mais très peu utilisé. On utilise souvent d'autres artifices, mais dans un mode avancé du Blender internal, le node des matériaux est utilisé et il fonctionne finalement un peu comme le node compositing qu'on utilise pour la post-production avec des nœuds, des connexions et des effets qu'on va mélanger pour obtenir les effets escomptés. Le node compositing post-production par lequel on terminera, vous le verrez, est similaire au Blender internal et permet toujours d'ajuster, dans ce cas tout simplement une color balance que j'utilise, je crois, dans absolument tous les rendus que je fais. Donc juste une petite démonstration rapide avec à la fin ces nodes pour vous montrer que rien n'a changé. On démarre ce tutoriel en venant effacer le cube que Blender nous propose sur la scène par défaut. Nous allons garder la lampe un peu plus longtemps cette fois-ci. Puis nous allons placer en vue de face orthographique. Pressez sur N pour ouvrir le panneau à droite et cliquez Background Images. Nous allons placer notre image de référence. On sélectionne notre flacon. On va demander à ce que cette image soit visible uniquement depuis la vue de face, donc front. On va réduire sensiblement sa taille pour ne pas modéliser un flacon géant.
Et puis, on va la remonter pour l'amener à peu près au niveau du sol. On n'a pas une vue de face exactement avec notre flacon, mais encore une fois, l'idée de l'image de référence, c'est plus de le faire avec des proportions identiques ou des proportions réalistes et pas de décalquer au pixel près notre flacon et de notre image de référence. Je rappuie sur N pour effacer le panneau, puis Shift A, on va ajouter un maillage de type cylindre. On va réduire à 12 vertex sa circonférence et je vais garder l'option Caps End cochée qui permet d'avoir le fond de notre cylindre qui est fermé. On va tout de suite S redimensionner l'ensemble pour épouser à peu près la forme de notre image de référence. Je vais faire un contrôle espace pour enlever les petits widgets et les fléchouilles, comme d'hab. Et maintenant, depuis le mode édition, GZ, je vais le placer au niveau du sol. Et puis, Alt, clic droite. Je n'oublie pas, bon, on va peut-être l'effacer, celui-là je n'ai pas besoin, on va commencer par effacer ce vertex dont on n'aura pas l'utilité. Alt, clic droite pour sélectionner l'ensemble des vertex, G, Z, et je viens les positionner à peu près sur le haut. S pour lui donner des proportions acceptables. On va rajouter CTRL R, un loop cut à ce niveau-là pour étirer. Voilà, donc S pour redimensionner notre loop cut. Et puis, on va d'entrée de jeu lui appliquer un modifieur de type subdivision de surface. On va incrémenter un petit peu le nombre de subdivisions, cocher Optimal Display. On va également demander un Shading Smooth. Et puis, à présent, je vais passer au mode édition et ajouter encore une série de loop cuts pour venir donner des arêtes franches à notre package. On va en ajouter une à peu près ici et puis une déjà sur le haut. On va sélectionner à présent Alt-clic droite cette portion de vertex, extrude S pour les ramener au centre, extrude Z pour venir monter notre flacon. Alors GZ. Voilà, on va le placer à peu près par ici. Et puis maintenant, je vais ajouter 7 loop cuts. CTRL R. 4, 5, 6, 7. 7 fois avec la molette de la souris. S, Z pour les redimensionner. Et puis je vais sélectionner une rangée de vertex sur 2. S que je vais redimensionner sur l'intérieur pour faire un faux pas de vis, puisque ceci n'est qu'une simulation de pas de vis, ce n'est pas un réel pas de vis, mais ça accélère la modélisation et vous verrez que sur l'image finale, finalement, c'est transparent. Donc, encore une fois, tout ce qui n'est pas du détail qui apparaît franchement à la caméra, on peut le bâcler, il n'y a aucun problème. Si par contre ça rentre dans l'intérêt de notre image et dans un point de vue important, il faudra ajouter du détail et faire les choses proprement. CTRL R pour ajouter un loop cut ici, CTRL R pour ajouter un loop cut ici et puis un loop cut vers le bas. Et puis on va garder à présent l'ensemble modélisé ainsi. Voilà pour le démarrage de notre flacon. On va continuer en modélisant la partie supérieure, que je vais appeler la partie supérieure tout simplement, et puis nous modéliserons également le capuchon. Je vais repasser en mode édition, je veux rester absolument dans le même maillage et pas créer des objets séparés. Donc avec cette rangée de vertex sélectionnée, ce qui est parfait, je fais un Shift D, Enter et un S, ce qui aura, vous le voyez, pour but de séparer ici une nouvelle rangée de vertex pour continuer la modélisation. Extrude Z pour monter l'ensemble. On va passer peut-être en mode wireframe pour voir où on en est. Pile poil. Extrude S pour venir redimensionner l'ensemble sur l'intérieur. Extrude Z encore une fois. Extrude S. Et puis maintenant,
la partie finale, extrude Z pour faire le gicleur. Extrude S, encore une fois, W, merge at center, et nous avons bouclé la boucle. On va ajouter une série de loop cuts pour rendre nos arêtes plus franches ici. On va également donner un shading smooth à l'ensemble de ce maillage. Donc ce maillage qui est complètement séparé du maillage qui est en dessous. Pour ceci, simplement je sélectionne un vertex du maillage qui m'intéresse et je fais un CTRL L pour pouvoir sélectionner le maillage qui m'intéresse sans sélectionner l'autre partie. Et puis je vais maintenant venir cocher ici smooth pour lui donner un aspect intéressant. Je remarque en désélectionnant l'ensemble que j'ai des artifices ici dû à la mauvaise orientation des normales. Donc encore une fois, qu'est-ce que l'orientation des normales? Je sélectionne de nouveau CTRL-L mon capuchon, N, je vais par exemple cocher l'option ici qui marche seulement dans le mode édition pour avoir un aperçu de mes normales, et vous vous rendez compte que ici j'ai une normale qui pointe vers l'intérieur, ici également, et c'est ceci qui crée au niveau des jointures et des arêtes ici, ces artefacts. Donc on va demander un recalcul des normales et tout est rentré dans l'ordre. Alors, depuis ma vue de face, je trouve que mon capuchon, il lui manque un petit loop cut ici. Voilà. Pour faire quelque chose de propre, on va encore modéliser la partie du gicleur. Donc, CTRL-R, je fais deux fois la molette de la souris et j'obtiens de nouveaux loop cuts. Je vais faire également un loop cut ici. Un loop cut ici. Je vais remonter GZ celui-là et je vais rajouter encore un loop cut à peu près à ce niveau-là. Alors, on va faire un petit edge slide pour ramener l'ensemble. J'aimerais idéalement avoir quelque chose qui soit à peu près bien proportionné ici, puisque je vais maintenant effacer X, ce vertex, pour créer le trou. Alors vous voyez que l'ajout de cette bande de vertex et cette bande de vertex a ajouté un petit peu d'angle ici qui vient casser évidemment l'harmonie du subsurf. Donc il faudrait avoir du loop cut de partout ou avoir fait plus de vertex au départ sur mon cylindre. Donc pourquoi pas démarrer avec les 32, ce qui me permettrait d'avoir du détail. Mais bon. Au final, vous verrez que ça reste assez transparent, mais on aurait pu améliorer cette partie-là. À présent, je vais faire un Alt-clic droite sur cette série de loop cuts. Extrude S vers l'intérieur. Extrude Y pour le rentrer à l'intérieur du modèle. Extrude Y encore une fois pour donner un peu plus de profondeur. Et puis, à présent, Extrude S. Extrude S. On ramène à l'intérieur. Et encore une fois, extrude Y, extrude S, W, merge at center. Et nous avons fini la modélisation de notre gicleur. On va se replacer en vue de face pour voir à peu près ce que ça donne. Je le trouve un chouïa quand même. Un chouïa écrasé. On aurait pu faire quelque chose d'un peu plus arrondi, mais on est pas mal. On peut aussi passer en mode wireframe pour venir évaluer la qualité de notre modélisation ici. Pour l'instant, tout semble bon. Depuis la vue de face toujours, on va terminer par notre capuchon. Pour ceci, je vais sélectionner Alt-clic droite cette bande de vertex, Shift-D, Enter comme tout à l'heure, S pour le redimensionner, Extrude Z. Je vais passer en mode wireframe en appuyant sur Z. Ok, on est pas mal. Extrude S, W, merge at center, et on vient fermer notre capuchon. On va lui donner encore un loop cut ici, et nous avons globalement terminé la modélisation de notre flacon.
En fait, non, nous n'avons pas tout à fait terminé la modélisation. Il nous reste à faire la partie ici du tuyau qui va nous permettre de faire monter le produit jusqu'au gicleur. Donc, je vais repasser dans le mode édition et puis sélectionner un des vertex, CTRL L, H pour cacher le capuchon. Sélectionner le vertex du haut du flacon ici, CTRL L, H pour venir virer le haut du flacon. Et puis, on va maintenant passer en mode wireframe. Je vais sélectionner un de ces vertex, Shift D pour le dupliquer. Et puis S pour le redimensionner vers l'intérieur. On va venir le placer à peu près par ici. Et maintenant, je sélectionne un des vertex du flacon, du corps, disons du flacon. CTRL L, H pour venir le faire disparaître. Et puis, on a à présent toute la place nécessaire pour venir faire notre modélisation. GZ pour le déplacer. Extrude Z, S. Et puis, Extrude Z encore une fois. On va venir maintenant faire la partie basse, on terminera la partie haute. Ensuite, extrude S vers l'intérieur, extrude Z pour faire descendre. Alors est-ce qu'il n'est pas un chouïa trop gros? Non, ça va. Pour faire descendre notre pipette jusqu'au fond du flacon, extrude encore une fois. Je vais lui donner pourquoi pas un petit peu de rotation et le déplacer. Et puis extrude une dernière fois pour venir le placer environ ici. On va encore venir ajouter un loop cut ici. Un loop cut là pour toujours donner des arêtes un peu plus franches. Et puis, on va maintenant terminer la modélisation par un extrude S vers l'intérieur. On va faire un tuyau très très fin, extrude Z. J'ajoute d'entrée de jeu un loop cut ici et un loop cut ici. Et puis, je vais me placer en vue de côté. On va venir sélectionner cette bande de vertex, extrude, l'amener à peu près par ici, extrude encore une fois une rotation de moins 45 degrés, extrude une rotation de moins 45 degrés, on va le redimensionner et on va le placer, j'ai à peu près à l'arrière ici, ce qui nous fera une pièce relativement intéressante pour l'intérieur de notre flacon. Voilà. On va faire un Alt-H pour faire réapparaître l'ensemble. Cette fois, nous avons vraiment fini la partie modélisation. On va certainement maintenant entrer dans la partie la plus excitante avec Blender Cycle. Donc, on va s'accrocher. Et puis, surtout, je vais décocher mon image de référence dont j'ai en principe plus besoin. Je vais venir placer la caméra sur notre vue de face ici et pour l'amener dans la vue, je dirais active, je presse CTRL ALT SHIFT 0 sur le pavé numérique. G deux fois Z pour reculer notre caméra. GZ pour la monter légèrement et R deux fois X pour la tourner sur son axe X local. Avant de passer à un premier petit test de rendu, j'ai envie d'ajouter ce que j'appelle le studio photo, c'est-à-dire un plan qu'on va redimensionner allègrement. On va se placer en vue de côté et en mode édition, venir sélectionner ces deux vertex, et puis on va maintenant faire une série d'extrusions pour remonter ce plan. Allez, une petite dernière, on sera sûr qu'on sera assez haut.
Donc évidemment l'objectif du studio photo c'est de lui appliquer une couleur, hein, c'est un procédé qu'on retrouve fréquemment dans la photographie pour la photographie d'objets. Un fond blanc qui part en l'air comme ça nous permet d'avoir un dégradé de lumière, du blanc au gris, ça nous permet de cacher le fond, de ne pas avoir besoin en tout cas de se soucier d'un aspect décoratif pour l'arrière-plan, mais d'avoir quelque chose qui va partir en dégradé de manière très douce. Pour terminer ce plan, j'ajoute CTRL R, molette de la souris deux fois, S, X, deux loop cuts que je redimensionne sur les bords. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Parce que nous allons ajouter un modifieur de subdivision de surface pour venir lisser les angles ici. On va le pousser à 3, 4 pour le rendu optimal display et on presse sur T pour lui donner un shading smooth. Et placé depuis ma vie caméra, il me reste à sélectionner A, l'ensemble des vertex en mode édition, S, X et je le redimensionne largement afin d'être sûr que mon tout qui va remplir complètement le champ de la caméra. On va faire un CTRL S, même si on a une stabilité absolument exemplaire avec ce Blender de 61, on n'est jamais à l'abri d'un petit plantage. Et puis nous allons passer aux choses intéressantes en venant modifier ici notre moteur de rendu, quitter le Blender Render, donc le Blender Internal, pour passer à Cycles. Et vous allez voir que quand je passe à Blender Cycles, en matière de moteur de rendu, nous avons un panneau du rendu qui sera légèrement modifié. Transformé et nous aurons évidemment le panneau des matériaux qui va devenir vraiment différent et c'est ça qui va nous intéresser dans ce tutoriel. Si j'effectue maintenant un premier rendu, alors on va évidemment utiliser la puissance de Blender Cycle et comme vous le savez, Blender Cycle nous permet d'avoir une vision du rendu en temps réel à partir du mode 3D, à partir de la vue 3D. Donc là, je suis évidemment dans la vue caméra, mais je peux évidemment sortir de la vue caméra pour venir me déplacer, et vous voyez que Blender Cycles génère à chaque fois des passes qu'on voit défiler ici sur le haut de l'écran, et que je peux, à ma guise, venir zoomer, observer l'objet, et à chaque fois que je lui donne une nouvelle position, il recommence simplement le nombre de passes. Comment modifier ici le nombre de passes que nous allons faire? C'est au niveau du panneau intégrateur du panneau de rendu. Il va faire 10 passes en mode preview, ce qui est très peu, 10 passes en mode rendu, ce qui est très très peu aussi. Donc on va, pour le rendu final, on viendra évidemment modifier ce paramètre, mais ici, on va par exemple passer maintenant à 100 passes, et vous voyez qu'il va continuer, 12, 13, 14, 15, et continuer à me faire des passes pour me laisser mon image. Le Blender Cycles ne fonctionne absolument pas comme le Blender Internal et c'est un vrai moteur de rendu de type ray tracing. Ça veut dire qu'on va tirer des rayons de lumière et qui va calculer à chaque instant leur impact sur la scène, ce qui permet de faire du photoréalisme à gogo. On a en tête évidemment LuxRender et Yafare qui sont le même type de moteur de rendu et qui existent gratuitement pour Blender. Maintenant, le gros avantage de Cycles, évidemment, c'est de pouvoir venir faire de l'édition en temps réel dans ma vue 3D avec ce mode de rendu qui est venu ici s'ajouter aux différents modes tels que le fil de fer wireframe ou le solide. À présent, si vous avez lu le post Blender Cycles, êtes-vous CUDA capable ou vous serez certainement intéressé à NVIDIA, à CUDA et à l'accélération matérielle GPU. Vous voyez ici que j'ai un Intel Core i7 en termes de processeur, donc qui devrait mouliner pas mal, qui met un certain temps pour me passer les passes, 91, 92, mais que je vais pouvoir ici passer dans un mode GPU. Je vous renvoie vers le post si ça ne fonctionne pas chez vous, qui se trouve sur le blog, et regardez simplement la vitesse à laquelle les passes se font en mode GPU, c'est juste de la science-fiction. Alors, en mode GPU, j'ai à présent un confort intégral pour venir jouer avec mes objets dans Cycles. Je zoome et c'est tout de suite un nombre de passes ahurissant qui est passé. Alors évidemment, on a une scène ultra simple avec d'ailleurs un éclairage qui est notre lampe unique que j'avais gardée au départ. Et vous voyez qu'au mode rendu, elle disparaît évidemment, ainsi que notre caméra qui n'est plus visible. Ma scène est bien bien trop sombre, donc j'aurais envie de venir pousser ici l'intensité de ma lumière. Je vais donc aller dans mon panneau de lampe et là, surprise,
J'ai une option size, j'ai une option cast shadow, donc projeter des ombres ou pas, une couleur, mais pas moyen de modifier son intensité. J'ai envie, pourquoi pas, de changer cette lampe de type point en un type spot, et là, je découvre que ce n'est pas supporté et que ce sera interprété comme une lampe de type point. Tout simplement, il va falloir s'habituer avec Blender Cycle à se passer des lampes. Nous allons donc l'effacer. Et vous allez voir que dans Blender Cycle, les lampes ont été remplacées par l'utilisation de plans et de matériaux de type émission de lumière. On va donc, sans plus attendre, ajouter Shift A un plan que je vais remonter légèrement, que je vais tourner R sur l'axe des Y de 90 degrés. Et GX que je vais déplacer ici maintenant sur le côté. On va commencer à travailler un petit peu sur les matériaux à partir de ce plan. On va donc ici dans le panneau des matériaux créer un nouveau matériau que je vais appeler lampe gauche, puisqu'on va quand même venir jouer avec plusieurs de nos lampes. Et nous allons sélectionner ici le type émission pour la surface de notre matériau. On va garder une couleur blanche et une intensité, cette fois que je pourrais paramétrer à 1. Si je passe maintenant en mode rendu, vous voyez que mon matériau émet de la lumière et c'est lui qui vient éclairer ma scène. Si je passe maintenant l'intensité de mon panneau lumineux à 10, vous voyez que évidemment ça vient doper mon rendu et que à chaque fois, Blender Cycle va nous calculer un nombre de passes pour pouvoir venir faire disparaître tous ces petits artifices de points et tout ce bruit, j'ai envie de dire, qui est généré. Et c'est à nous de décider quand l'image sera suffisamment propre pour arrêter le rendu. 100 passes, c'est pas suffisant. Ok, nos soucis. Je viens ici dans la preview. Je vais lui demander cette fois d'en faire 250 et vous allez voir qu'il repart instantanément pour les 150 passes suivantes et que mon image va devenir toujours plus propre, propre et propre. Vous l'avez compris, c'est quand même un gros changement à partir de Blender Cycle. Vous aurez certainement pu découvrir déjà d'autres tutos et autres qui en parlent. Donc je ne sais pas si ça vaut la peine de trop s'y attarder, mais en tout cas, pourquoi pas laissez-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on parle un peu plus de toutes ces nouveautés. Je ne voudrais pas aller trop vite pour ceux qui en connaissent moins. Je vais dimensionner sur l'axe des X perdu, Escape, S, Y, sur l'axe des Y mon panneau pour le rendre un peu plus large. Et puis, je vais également le monter, lui appliquer une légère rotation. Et puis, je vais lui appliquer une rotation également là et puis l'orienter un peu plus loin. Ouais, on est pas mal. Un tout petit peu plus loin de notre flacon. Je vais également Shift D tout de suite le dupliquer pour avoir une lampe de chaque côté. L'éclairage de base qu'on va mettre à peu près au bon endroit. Et puis, aussitôt que j'ai envie d'observer, je peux très bien passer en mode rendu avec ma caméra, aussi ma vue caméra, pour me rendre compte que l'intensité est beaucoup trop importante et que donc au niveau de mes matériaux, je vais réduire pour l'instant à 5 leur intensité. Avant de s'intéresser aux matériaux qui vont composer le flacon à proprement parler, j'aimerais encore vous parler du panneau World qui a aussi changé avec Blender Cycles. Donc, évidemment, en type de surface, on va pouvoir toujours venir placer des textures de type environnement avec des images HDRI pour faire des beaux reflets. On pourrait très bien faire notre studio photo sous cette forme, par exemple. Ça existe, des images de type environnement studio photo. Mais surtout, vous verrez que Blender Cycles utilise l'illumination globale de l'environnement durant le rendu, et que si je viens pousser maintenant simplement l'intensité du gris de mon world, je vais fortement varier l'intensité de la scène, puisque j'aurai l'illumination globale qui
Traditionnellement, dans Blender Internal, devait être une option supplémentaire à cocher. Donc, on a peut-être moins d'options sur lesquelles jouer, mais en tout cas, des options par défaut qui vont permettre de faire des rendus vraiment hyper réalistes. On peut également jouer sur l'intensité et la couleur, tiens. Si je viens jouer dans les bleus ici et augmenter l'intensité à 5, vous voyez que mon flacon, le fond, l'ensemble devient avec un léger bleu comme ça, assez doux, dans un éclairage dû à l'environnement. Je vais laisser ceci par défaut, mais c'est à ne pas perdre de vue. Notre scène sera forcément éclairée également par cet environnement. On va continuer en s'intéressant cette fois de plus près. On va repasser en mode solide et en vue de face. Je vais cliquer, tiens, la caméra H pour la cacher. Et puis, on va cette fois venir s'intéresser au panneau des rendus ici. Je vais rentrer dans le mode édition. Je vais désélectionner l'ensemble. C'est au niveau d'abord du body que je vais m'intéresser. Donc je fais la sélection de mon maillage. Je vais créer un nouveau matériau qu'on va appeler, ce sera le package body. Et vous avez à présent le choix des différents shaders pour la surface, du diffuse, donc standard, du glossy, c'est-à-dire brillant, donc avec un effet miroir. Et pour le flacon, évidemment, je vais utiliser le shader de type glace. Pour l'instant, je le laisse ainsi. On va rentrer un peu plus dans le détail et dans un mode un tout petit peu plus avancé des matériaux Cycles. Et vous verrez que ça passe par le node compositing des matériaux, mais pas d'inquiétude à avoir, puisque vous êtes déjà des habitués du node compositing pour la post-production. Vous verrez que pour les matériaux, c'est pas beaucoup, beaucoup plus compliqué. Mais je vais pour l'instant laisser cette sélection par défaut, glace. Je vais assigner, comme à la belle époque et du Blender Internal, ce matériau à ce maillage-ci. Je vais à présent sélectionner un vertex de la partie supérieure du flacon, CTRL-L pour le sélectionner. Je vais créer un nouveau matériau. On peut repartir de notre pack body, cocher sur le 2 pour le séparer, et puis ce sera la partie supérieure. Je vais l'appeler pack top. On va pour lui sélectionner un matériau de type diffuse. Et puis, je sélectionne maintenant le capuchon avec un vertex. Contrôle A, j'ai pas fait l'assignement. Excusez-moi, je recommence. Alors, contrôle L, je sélectionne l'ensemble. Mon pack top, je lui assigne ce matériau. Et puis, maintenant, un contrôle sur le capuchon. Alors, j'ai pas pris le bon vertex. Contrôle L, le capuchon. Je vais ajouter encore un matériau qu'on va cette fois. On peut repartir dans notre pack top, cliquer sur le 2, on va appeler le pack cap. Ce sera notre capuchon et lui, je vais lui donner un matériau de type transparent que je vais également lui assigner. Il est assez difficile de se rendre compte des matériaux qui ont été assignés à quelle partie du mesh, etc. Donc, si je veux à présent voir l'ensemble de mes matériaux, je peux le faire de manière assez simple en disant, tiens, mon pack body. Sélectionne-moi les vertex qui sont associés au pack body. C'est ceux-là, impeccable. J'ai également la partie intérieure qui ne m'intéresse pas. Donc, je vais faire un deselect. Je vais prendre un des vertex ici, CTRL L, pour sélectionner notre tuyau et je vais lui assigner le même matériau que le pack top, c'est-à-dire le matériau de type diffuse, assign. On désélectionne et je recommence la démo. Pack body, je veux savoir quels sont les vertex influencés par ce matériau. Je lui dis select, ok, c'est le body. Je désélectionne. Qu'est-ce qui est influencé par le pack top? Select, ok. Le top plus le tuyau, c'est normal. Je désélectionne. Qu'est-ce qui est influencé par le pack cap? Je sélectionne. Il n'y a qu'à la partie du haut. Ok, super, c'est dans la boîte. On sort du mode édition. J'ai dû le faire, je ne sais pas pourquoi, à plusieurs reprises pour pouvoir après passer en mode rendu et voir les matériaux qui sont vraiment appliqués. Si je me mets en vue caméra, vous voyez que l'effet est instantané. On a la partie transparente. On va venir évidemment pousser un petit peu l'exercice sur ces matériaux, mais vous voyez que mon verre a un indice de réfraction à 1.1.
0.45 qui va déformer forcément l'intérieur et la vue à l'arrière de notre flacon. On a une dureté à 0. La dureté, c'est simplement les reflets spéculaires qui sont générés ici par les deux plans qui font mon éclairage, que je peux rendre beaucoup plus diffus, vous voyez, simplement en venant casser la dureté, ils sont rendus beaucoup plus diffus. Donc on a un certain nombre de paramètres sur lesquels jouer ici. Mais dans l'ensemble, on va essayer de garder des matériaux assez simples, à part justement pour notre pack body, auquel j'ai envie de venir ajouter une texture avec une étiquette Copilot Cosmétique ici au centre. Pour réaliser cet exercice, il faudra passer par de l'UV mapping. On va donc rentrer de nouveau dans le mode édition. Je fais un CTRL L H pour effacer temporairement CTRL L H l'ensemble. C'est pour moi une simplicité dans le travail que de venir simplement effacer des parties de vertex comme ça, qui nous permet de simplifier la vue. Je sélectionne, alors elle est juste en dessous de mon plan ici, je pourrais remonter l'ensemble tout à l'heure. Je sélectionne la partie du bas, les vertex ici du bas. Je sélectionne le top. Et puis je vais sélectionner depuis la vue de dessus la bande de vertex opposée à la caméra, c'est-à-dire celle-là. Un CTRL ALT SHIFT, donc plutôt un SHIFT ALT clic droite pour venir sélectionner l'arrière ici et cette bande de vertex. Je vais sortir juste là, effacer mon plan, cacher mon plan plutôt temporairement, et puis je vais désélectionner le vertex en dessous qui était sélectionné. Donc j'ai cette partie-là supérieure, l'arête ici et la partie du capuchon qui est sélectionné. On va faire un CTRL-E, marque cime pour marquer la couture. Et si maintenant je désélectionne l'ensemble, vous voyez qu'ils sont marqués en rouge pour me signifier que ce seront les coutures pour unwrapper pour déplier notre maillage. Il nous reste donc maintenant à faire la sélection de l'ensemble. Cliquez U, unwrap pour déplier notre maillage. On va faire un Alt-H pour faire réapparaître l'ensemble. Alt-H, je vais faire réapparaître tout le monde. Et puis, avec notre pack body sélectionné, on va passer dans l'UV Image Editor pour apprécier le dépliage. On va créer, je vous le propose, une nouvelle image qu'on va appeler pack UV. Je vais appeler Final parce que j'en ai fait plusieurs. Ça me permettra de le repérer. Et puis, 2048 par 2048 pixels. On valide avec OK. Et puis on coche la pin. On vient chercher notre pack UV ici. Et ce sera notre image sur laquelle nous aurons déplié notre maillage. On va sélectionner un vertex ici. CTRL L S. La partie inférieure ne nous intéresse pas. On va. Alors. Merci tout le monde. Mais. Je vais resélectionner juste mon maillage. Je ne sais pas quelle manipulation j'ai faite, mais voilà, je voulais CTRL L. J'ai déplacé ceci puisque nous n'en aurons pas besoin. On ne fera pas de texturage sur celui-ci. Maintenant, il faudrait que je vienne lisser l'ensemble ici pour avoir une belle image bien carrée, bien rectangulaire sur lequel appliquer à l'aide évidemment d'un outil tiers tel que Photoshop, venir dessiner une étiquette qu'on va appliquer ici sur notre. Sur notre package. Donc je sélectionne avec un CTRL L, non avec un Alt clic droite, pardon, les bandes de vertex, W Align Auto, et puis je vais faire ça pour l'ensemble de mes arêtes. Alors c'est un boulot un petit peu fastidieux, mais qui va encore relativement vite. Si vous avez une technique plus intéressante pour le faire et moins rébarbative, volontiers postez-la dans les commentaires. Un perso, quand j'ai une technique qui va bien, des fois je me casse pas la tête à chercher plus compliqué. Et puis on va appliquer exactement la même chose sur les arêtes verticales. Dame, 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 et dame. On va sélectionner maintenant l'ensemble et puis S, on va le redimensionner un peu, qu'on ait vraiment de l'espace. Et j'ai un maillage qui est
plutôt propre de chez propre. Un contrôle S, parce que je ne voudrais pas avoir besoin de refaire ce travail. Et puis, on va maintenant exporter notre UV layout dans notre répertoire texture. On va l'appeler Cosmetic Pack UV Final.png. Je l'exporte. Et à présent, depuis mon dossier, vous voyez que je vais trouver ma texture PNG que je vais récupérer simplement maintenant dans Photoshop, préparé évidemment au préalable pour vous. Je viens intégrer dans Photoshop mon UV layout. Un CTRL-A, CTRL-C et un CTRL-V pour venir le placer dans mon fichier Photoshop. Et vous voyez que j'avais dessiné déjà une étiquette pour nous épargner le travail là dans Photoshop. Très très facile à réaliser. Quelques textes, du blanc et du noir, avec des formes vectorielles et des textes vecteurs qui vont permettre de les zoomer, dézoomer sans jamais avoir de perte de qualité. Et qui à présent, je vais pouvoir placer sur mon package. Alors n'oubliez pas qu'il sera forcément, je vais la sensiblement la réduire, la placer au centre. On pourrait ajouter pourquoi pas un petit calque avec une couleur blanche pour venir voir ce qui se passe ici. Voilà. On va deviner que j'ai un certain nombre de faces. Je vais essayer de le mettre le plus centré possible. J'ai deux faces et demie de ce côté, deux faces et demie là. Je suis pas mal. Et puis, ce que j'aimerais faire, c'est étirer ces deux faces ici pour que ça fasse le tour complet de mon package. Voilà. Comment va fonctionner la texture dans Cycles? Alors, vous verrez que cette fois, je vais décocher mon UV layout pour pas qu'il apparaisse sur ma texture. Je vais enregistrer ceci à un format JPEG. Ctrl Shift S, JPEG. Cosmetic Pack UV Final.jpg, ça me va très bien. La compression me va aussi. Et puis, simplement, vous allez voir que cette texture va fonctionner comme un masque et que là où j'ai du noir, je pourrai appliquer un matériau différent du vert et là où j'ai du blanc, on verra apparaître le vert. Je retourne donc dans Blender, jouer avec cette texture-là. On va repasser au mode 3D. Et puis, on va séparer nos fenêtres pour venir ici chercher le nom d'éditeur. Et avec mon pack body sélectionné, on va maintenant pas seulement utiliser un matériau de type glace, mais un mix shader qui va nous permettre de mixer deux matériaux en un, une grande révolution. Et cette fois-ci, je vais le demander à utiliser un shader de type glossy et un deuxième shader de type glace. Basiquement, le facteur ici de 0,5 nous indique que nous allons mixer à 50% le glossy et à 50% le glace. C'est ce qui nous permettrait ici de dire, tiens, je suis à 100% glossy ou à 100%, ou à 0% glossy, donc à 100% glace. Mais pour notre exercice, ce que j'ai envie de faire, c'est de venir mixer ce gloss matériel sur le vert, mais uniquement dans la zone délimitée par notre texture. Donc, je fais un Shift A, on va y ajouter une image. Où êtes-vous les images? Texture, Image Texture. Je viens sélectionner ici mon cosmétique UV Final, le JPEG, donc l'image noir-blanc, et on va injecter cette texture dans le facteur ici du Mix Shader. On n'a pas besoin de se soucier du mapping de coordonnées, puisque par défaut, ce qui n'était pas le cas dans le Blender internal, l'UV mapping est appliqué et pas generated comme c'était indiqué. Et vous voyez au passage que quand je viens modifier ici mon node editor, mon panneau évolue ici, puisqu'à présent je sais que j'ai une surface de type mix shader et que le facteur est devenu
une image de type texture. Vous voyez ici au niveau du vector que si j'utilise le default, j'aurai l'UV. Mais si vous vouliez par exemple étirer une texture sur une surface sans faire de dépliage et de l'UV mapping, il faudrait venir manuellement sélectionner l'option Generated par exemple. On va passer au mode solide. En mode rendu, je veux dire, et puis on va venir apprécier la qualité de notre UV mapping. Alors, je pensais l'avoir super bien centré, en fait, non? Mais c'est pas grave, on rectifiera plus tard. Et vous voyez que on va pouvoir venir jouer, donc on est bien dans le panneau des matériaux avec le pack body sélectionné. Venir maintenant jouer par exemple sur la dureté de mon gloss, c'est-à-dire l'amener à zéro. Vous voyez que, alors, on a des reflets spéculaires complètement tranchés, c'est-à-dire que on a réduit la dureté. Et puis, je peux également venir jouer sur les paramètres de mon verre ici en étirant. Je pourrais très bien modifier. Alors, au niveau de ces panneaux-là, mais une fois qu'on a commencé à travailler avec les nœuds, vous verrez qu'on s'en passe pas. Et puis, je pourrais très bien aussi venir jouer ici sur les différents paramètres de mon matériau vert. On peut aussi jouer sur la couleur, ce que je vais faire d'ailleurs. Alors, je vais le laisser à 0,2 pour l'instant. Et puis, j'ai envie de venir donner quelque chose de brillant ici à mon package. Voilà. On va peut-être garder notre panneau ouvert, mais maximiser un petit peu de l'espace ici, se replacer en vue caméra pour voir de quoi ça a l'air. On commence à avoir quelque chose d'intéressant. Je vais travailler un petit peu sur mon capuchon et cette fois-ci mon pack cap, je vais lui demander plutôt d'avoir également un mix shader. Vous voyez que ma surface transparente, ce qui me convient pas, c'est que j'ai aucun reflet dessus. Donc je vais utiliser simplement un mix shader en lui disant j'aurai du gloss en surface, j'aurai du transparent en dessous. Vous voyez tout de suite, alors en regardant le mode de rendu appliqué, l'image se modifier. Donc c'est vraiment du bonheur. Et puis je vais simplement modifier le facteur ici pour donner moins d'influence à mon gloss et plus d'influence à mon transparent. Si je suis à 1, je serai à 100% transparent. Je vais donc peut-être pourquoi pas le mettre à 0,8 pour le moment. Je trouve également que mon cap, il est un peu faible. Il n'est pas assez large. Alors, je vais passer. Je cache notre caméra. Je vais faire une petite modif. Je contrôle le Contrôle L aura été plus vite pour sélectionner l'ensemble. S, on va le redimensionner pour qu'il ait à peu près cette taille-là. GZ, évidemment, je le remonte sensiblement pour le venir faire effleurer la surface. Et puis ici, maintenant, GZ, je vais le rapprocher un petit peu. J'ai quelque chose qui va me plaire un peu plus. Je n'avais pas également appliqué Ctrl L de Shading Smooth à ce coquin, donc j'en profite pour le faire. Smooth. Et ainsi, je me rends compte que les normales sont mal orientées. Je les recalcule et l'affaire est dans le sac. On va pouvoir sortir à nouveau de notre mode édition et puis repasser au mode rendu. On va venir jouer un petit peu encore sur notre scène. Je trouve également que mon diffuse. Alors là, je trouve que mon matériau transparent est devenu intéressant vraiment. Parce qu'on arrive à l'apprécier, on pourrait également lui donner une couleur. Pourquoi pas dans les mêmes tons? Alors mince, je me suis trompé. J'ai appliqué ça au gloss. C'est plutôt la couleur transparente que je vais venir influencer. Je vais laisser un gloss blanc. Et puis donner quelque chose dans les jaunes pour me rapprocher, pourquoi pas, de la couleur de l'étiquette. Vous voyez que simplement, l'intérieur ici n'a pas été texturé, mais c'est simplement l'ombre et la lumière qui ne rentrent pas, qui nous permettent de visualiser l'orifice du gicleur. On va encore, dans le pack top, faire une modif exactement du même type. Je vais demander un mix shader. On va demander du gloss en surface, un diffuse en dessous. On va rendre le diffuse un petit peu moins visible. Enfin, je veux dire le gloss, décidément aujourd'hui, petite nuit.
Quand tu nous tiens. Voilà. Pour apporter encore un petit peu d'intérêt à notre scène, je vous propose de venir rajouter une petite partie modélisation ici, de venir ajouter un liquide à l'intérieur. Je vais donc faire un Shift D de cette rangée de vertex. Enter S, leur dimensionner vers l'intérieur. Je passe au mode wireframe pour voir où est-ce qu'on en est. Et puis, je vais maintenant tout simplement l'extruder sur l'axe Z. Et venir ici l'amener à l'intérieur. Ctrl L pour sélectionner l'ensemble. Et puis on va ajouter encore un nouveau matériau qu'on va appeler pack liquide. Et que je vais tout simplement utiliser un matériau pour le liquide de type glace. Je pourrais. Ah non. Je pense pas que je vais le faire parce qu'on aura trop de réfraction. Ou alors je mets une réfraction à 1, mais je vois pas trop l'intérêt. Donc 1, on serait dans l'air. 1, 4, c'est un certain type de verre. On pourrait trouver sur Internet les différents indices de réfraction pour des liquides et ainsi de suite. Mais pour nous simplifier la vie, comme on a déjà un gros indice de réfraction sur le verre, je vais utiliser une couleur transparente. Que je vais assigner évidemment à ce maillage et puis à laquelle je vais tout de suite apporter une couleur pour voir la différence et puis depuis le mode rendu vous allez vous apercevoir que j'ai à présent rempli de liquide mon flacon. On pourrait avoir une discussion autour du fait que finalement on n'a pas l'impression que le flacon a de l'épaisseur, hein, je dirais dans les bords, etc. Puisque simplement on n'a pas donné d'épaisseur du tout à notre flacon. Si on se reconcentre une fois sur la base. Ici, vous voyez que j'ai qu'une seule couche de vertex, ce qui n'est pas super réaliste. Donc, je pourrais très bien venir jouer, pourquoi pas, avec un modifieur de type Solidify pour ajouter de l'épaisseur à l'ensemble. Mais pour notre exercice, je pense que c'est suffisant, mais c'est quelque chose qui apporte très certainement du réaliste à l'ensemble, puisque j'ai l'impression, quand on est en mode quand même rendu ici, qu'il nous manque une bordure ici de vert où on n'aurait pas de liquide, ainsi que pour le fond ici. Alors, je ne suis pas forcément encore super enchanté de ma couleur de liquide, mais on pourrait. Alors ça, c'est le bonheur de Blender Cycle, hein, c'est de venir jouer avec vos différentes couleurs ici. Je vais quand même rester, je crois, dans les verts. Ça change un petit peu des missions habituelles qui nous occupent. J'ai envie de donner un petit peu plus d'éclairage à la scène, donc je vais encore venir dupliquer Shift D un de ces plans. On va passer en vue de dessus. Je vais lui appliquer une rotation pour qu'il soit à peu près parallèle à l'axe X. Une rotation pour le mettre un peu comme ça sur le dessus. SY pour redimensionner un petit peu l'ensemble. Et puis je vais également G le déplacer. Et puis pour celui-là, je vais créer un nouveau matériau qu'on va appeler lampe centre, afin de pouvoir jouer individuellement sur l'intensité de cette lampe, pour laquelle j'ai pas encore vraiment testé. Hein. C'est toujours des exercices où on fait un petit workaround. Donc voilà, ça apporte pas mal d'intensité à la scène, je trouve. Peut-être que je pourrais réduire mes deux lampes de côté. Je vais essayer d'en sélectionner une là, tip top. Voilà, j'ai quelque chose qui commence à me séduire. On va certainement maintenant designer un petit peu notre scène avant de passer dans la phase finale de compositing à laquelle vous ne couperez pas, puisque comme ça vous vous rendrez très vite compte que le compositing fait toujours partie de Blender et qui fonctionne exactement de la même manière que le Blender internal. Ce que j'ai envie de vous proposer aussi, c'est de jouer sur de la profondeur de champ parce que j'ai un petit peu souffert la première fois que j'ai essayé. J'ai dû un petit peu fouiner pour trouver comment le réaliser. Donc, vous donner encore cette astuce-là. On va pour ceci repasser au mode solide et puis je vais dupliquer mon flacon. X pour le contraindre sur l'axe X, R 90 degrés ou R moins 90 degrés.
GZ pour le ramener à la surface. On est quasiment, on est posé sur le plan. Et puis depuis la vue de dessus, on va. Ou alors je peux faire une proposition. C'est de faire migrer ces lampes qui gênent. H directement M sur le calque numéro 2. Et puis comme ça, on va pouvoir s'occuper de notre scène correctement. Voilà, je fais réapparaître notre caméra. On va faire un RZ avec le flacon pour l'orienter sensiblement sur le côté, histoire de donner un petit peu de perspective intéressante à notre scène. On va aussi passer, pourquoi pas, une fois en mode texturé pour voir exactement comment les étiquettes sont orientées. Je vais en profiter pour faire une rotation sur l'axe Z et centrer quasi cette étiquette. R, Z, Z deux fois pour orienter ce flacon de ce côté-là. Et puis je vais encore faire un Shift D. On vient de placer un petit peu plus loin. Je vais encore placer un flacon ici. Cette fois-ci, R deux fois Z. Je vais tourner l'étiquette. Pourquoi pas un peu à l'envers. Et puis on va tout de suite passer en mode rendu pour voir ce que ça nous apporte. Alors bon, ne nous y trompons pas, on duplique énormément de vertex. Vous voyez ici combien on en a, combien de vertex et combien de faces. On est déjà à 149 362 vertex. Donc même si on a de l'accélération matérielle, hop, excellent. C'est la première fois que je vois ce type d'erreur. On va essayer de relancer le rendu. Out of memory, pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va. Je vous propose, pour réduire la mémoire, diminuer ici le nombre de subdivisions de surface, qui va réduire considérablement le nombre de vertex à rendre. Et puis, cette fois, on y est. Ah, il me manque mes lampes, donc. J'active ici le deuxième calque. Et puis, on va pouvoir observer à présent notre scène. Vous voyez qu'après, bon, on a beaucoup de passes hein, qui sont brillent là. Mais on a une perspective plus intéressante. Je vais placer la caméra un peu différemment. On a les étiquettes. Celui-là, je vais peut-être le mettre plus horizontal. On a de la réfraction qui joue un peu de partout. On voit vraiment le ray tracing de Blender Cycle qui fonctionne au taquet. Donc, très joli. On va ajouter, arranger un peu la scène et ajouter un petit peu de profondeur de champ. Je vais sélectionner la caméra R, Z, G, deux fois Z pour le rapprocher un petit peu. R, deux fois X, ainsi. Et puis ce package-là, je vais le tourner beaucoup plus ainsi. G, X, attention de toujours contraindre sur les axes quand vous déplacez en vue caméra. Et puis, ma caméra, je viens lui fixer ici une limite. On va amener la distance pile poil au niveau du premier package. C'est-à-dire, on va mettre plus la vue de côté. C'est-à-dire ici, grosso modo. Et puis, depuis la vue caméra, on va repasser au mode rendu. Et vous allez voir que à présent, pour activer la profondeur de champ, il va simplement falloir venir jouer ici sur l'ouverture du diaphragme, comme dans un appareil photo traditionnel ou une caméra qui permet de le faire, et que simplement maintenant, en venant jouer ici sur l'aperture size, je viens créer du flou en arrière-plan. Donc là, ça commence à devenir visible. Alors vous voyez que le flou génère beaucoup de bruit, va demander beaucoup plus de passes, et ainsi de suite. Un autre aspect très peu réaliste de mon packaging, c'est ici hein, le liquide qui devrait plutôt former une bulle ici, et remplir le flacon plutôt que d'être simplement posé à la verticale. Donc, pour ne pas
Pour ne pas passer de nouveau dans le tutoriel de 18 h, je vous laisserai le soin d'ajuster tous ces détails. J'ai envie d'ajouter encore un tout petit peu de profondeur de champ, ou alors de reculer encore un petit peu le matériel. Mais j'ai envie qu'on reste vraiment bien net sur l'étiquette copilote. Je la trouve presque pas assez grosse, mon étiquette, hein. Bon, si on la déforme trop, elle va devenir ici, elle va devenir terriblement étirée. On est à 100 passes, j'ai un très joli flou en arrière-plan. On a vraiment des beaux indices de réfraction là qui. Bon, on a effectivement à l'arrière ici, finalement, est-ce que ça vaut le coup d'avoir la bande qui fait complètement le tour? Je sais pas. Je vous propose de faire donc un dernier ajustement avant de passer au compositing. On va repasser en mode solide. J'ai envie, hop là, de sélectionner ces deux bouteilles G, Y, de les reculer légèrement. Donner un peu plus de profondeur de champ. R, Z, je vais mettre celle-ci quasi verticale. En mode texture, je vais maintenant repasser rapidement dans Photoshop. Je vais redemander ici. On va faire quelque chose de ce type-là. Un CTRL-T et on agrandit notre étiquette. Je la ramène un peu plus haut au centre. J'enlève mon UV. Je fais un CTRL-S pour sauver le PSD. Un CTRL-S pour sauver le JPEG, j'écrase mon image précédente et puis alors là je repasse dans Blender au niveau des matériaux. Alors on va réexploiter la fenêtre que j'avais laissée de côté ici. On va venir dans les matériaux, sélectionner le pack body et puis alors là j'ai pas trouvé de petit bouton qui nous permet de recharger normalement la texture, donc je vais venir simplement la resélectionner ici, open, et cette fois on devrait avoir, oui, c'est exact, notre nouvelle texture, puisque elle ne, les petits bords ici ne font pas exactement le tour. On va passer en mode rendu pour apprécier tout de suite le résultat. Ah, j'ai quelque chose de plus intéressant. Ça fait moins d'effet sur le noir. J'ai à présent certainement mes packs qui sont un tout petit peu trop loin. J'aime bien repasser en mode solide pour faire ces modifications-là parce qu'on ne voit pas en mode rendu exactement ce qu'on sélectionne. Mais là, on pourrait le faire, hein. Mes deux flacons sont sélectionnés. Donc aussitôt où j'ai l'ensemble qui apparaît, je pourrais faire un G, Y et vous voyez que. Ah bah non, ça ne marche pas. Non, pourtant j'en étais sûr. Donc, autant le faire en mode solide, hein, en mode rendu, vraiment c'est pour venir observer la scène, pour venir jouer avec, ou venir appliquer les matériaux, jouer sur l'intensité des lampes. Vous voyez que c'est assez difficile de jouer sur des ombrages ici, on n'a plus de paramètres tels que le Blender Internal nous les donnait. C'est à nous de venir juger, mais on a des très très belles ombres qui sont bien diffuses. Ça va dépendre aussi du nombre de passes qu'on a pour le rendu. Mais en tout cas. Je vais encore juste apprécier la profondeur de champ. Ce flacon, il est bien flou. Ça me plaît beaucoup. Celui-là, on a un léger flou qu'on devine. Et puis, ici, on doit avoir une netteté impeccable sur le copilote cosmétique. Ok. On va repasser en mode solide. On va terminer le tutoriel par générer le rendu. Vous voyez qu'avec 250, j'étais plutôt pas mal. Je vais demander de faire 1500 passes lors du rendu. Je vais faire une petite sauvegarde. Et puis, je vais lancer le rendu de mon image et je vous retrouve dans quelques instants. Et voilà le résultat après 3 minutes 43 de calcul intense pour ces 1500 passes. On a un résultat plutôt convaincant. On aurait pu faire quelques passes supplémentaires pour améliorer le bruit du flou de notre profondeur de champ ici. On pourrait faire d'autres améliorations, on en a déjà parlé. La surface de mon liquide qui est vraiment pas top ici. Les reflets spéculaires des deux lampes qui pourraient être plus intéressants ici. Mon étiquette qui
ne flash pas assez à mon goût, qui n'est pas assez clair du tout. Un certain nombre de modifications que je vous laisserai apporter à votre exercice. On va encore passer un coup dans le Node Editor, mais cette fois au niveau de la post-production et des effets qu'on va appliquer après le rendu. On va comme d'habitude venir Shift A, ajouter un viewer pour vous montrer vraiment. Alors tout simple, on va faire simplement une retouche colorimétrique avec la Color Balance pour vous montrer que le système fonctionne toujours de la même manière. On n'oublie pas de connecter la sortie ici au nœud de compositing. Et puis à présent, je vais pouvoir venir jouer avec l'ensemble de mes valeurs ici pour donner pourquoi pas un fond dans un léger vert sur mes tons foncés, de donner un léger jaune à mes tons moyens et puis augmenter un peu leur intensité et puis venir booster mes clairs en optant pour l'inverse de mes tons moyens sur la roue chromatique pour les annuler légèrement et puis on va simplement finir notre compositing ainsi. Pour arriver à ces effets-là, on aurait pu évidemment jouer sur la couleur du ciel, de notre panneau world, de notre environnement, disons. On aurait pu venir jouer sur plein d'autres paramètres, la couleur des lampes, la couleur d'émission des lampes. On aurait pu venir jouer encore sur d'autres lampes à ajouter, évidemment, mais d'autres émissions, pourquoi pas directement dans la scène LPAC. Pour finir là, je trouve que c'est quand même un petit peu brûlé au niveau de mon blanc, donc vous voyez la différence, on voit plus le reflet spéculaire ici, donc je le diminue légèrement pour qu'on conserve du détail ici et sur reflet spéculaire. Alors là, on a un reflet complet de la lampe qui est au sommet, et puis j'ai une hésitation sur le fond. Quel est le choix qu'on va faire aujourd'hui pour vous présenter ce packaging? Bon, rester dans les gris, légèrement orangé, ne me déplaît pas. Voilà. On peut toujours ajouter ici une petite output viewer pour venir comparer la différence entre les deux images. Vous voyez que la différence cette fois est vraiment succincte, mais que je viens intensifier ici la couleur du flacon. Donc c'est sensible, mais ça fait toujours tout son effet un petit peu de compositing. Il nous reste à passer dans l'UV Image Editor. On a la post-prod qui est directement appliquée à l'ensemble. On peut toujours faire un CTRL S pour sauver notre fichier .blend, puis un F3 pour venir sauver notre PNG ici dans le dossier approprié et mon rendu est sauvé. Voilà, nous sommes au bout de ce tutoriel. Je vous laisse maintenant le soin de faire des images, de me les envoyer, de faites-moi s'il vous plaît parvenir vos rendus, soit des liens dans les commentaires, soit un email avec un attachment à thierry@copilote.ch. J'espère que vous aurez eu quelques trucs et astuces utiles pour vous lancer dans d'autres rendus Blender Cycle. Je vous souhaite bien du plaisir dans cet exercice et vous dis à bientôt.